jungle. Musicale, elle est derrière moi. C'est ça ma force. J'ai fini, moi, avec la musique. Tout ce que je fais à partir de maintenant, faut que ce soit grandiose. Si je continue, sinon je pars en vacances. J'ai gagné de l'argent, j'ai de quoi vivre pendant 10 ans, rien foutre. Je pars avec ma copine aux Caraïbes et c'est fini. Si je reste là-dedans, faut que ce soit fort, faut que ça me donne énormément pour que je puisse donner après. Aliviame María, aliviame, dame otro beso, dejaré, mañana te lo pagaré. Tu risa me da risa, tu calor me da valor, dame otro beso de licor. Cuando tú me hablas, cuando tú me hablas, cuando tú me hablas. Cuando tú me hablas, cuando tú me hablas, Marco, tú, Juan, ¿cómo estás? On va certainement pas rentrer dans un rythme de carrière internationale comme je suis appelé à rentrer dedans maintenant, avec le fait que le disque a marché, tout ça, certainement pas. On va prendre ça à notre rythme et prendre le temps de faire les choses bien. Gens du groupe qui n'étaient jamais là en Amérique du Sud. Beaucoup de chansons parlent de là-bas, c'est important que la première chose, tout le monde rentre dans le bain et sache de quoi on parle. Un groupe, c'est une alchimie, c'est jour et nuit. C'est là qu'un groupe, il rayonne vraiment. C'est pas juste se concentrer sur 2 heures de concert, faut que t'arrives dans une ville, tu sois un élément dérangeant un peu, tu sois toujours en action, que ce soit un show permanent. Yes, sir, Bob, yes, sir, Bob. Yes, sir, Bob.
Mexique. On a fait, après on est allé en Équateur, après on est au Pérou, après on est en Bolivie, Chili, Argentine. La grosse surprise, ça a été Mexico. Le groupe était tout jeune, on démarrait à peine. L'armée était rentrée à l'université, il y avait beaucoup d'universitaires qui étaient encore en prison. Je dirais que les 150 000 personnes, elles sont plus réunies pour ça que pour voir un groupe. Nous, on a été juste là, comme on dit, l'excuse. Dans tous les pays où on est allé sur cette tournée, on est toujours tombé dans des trucs comme ça. What's that sound? Para presentarle las imágenes en vivo de la manifestación que se viene realizando. Adelante con las imágenes. Gracias, Jacqueline. Nosotros continuamos aquí en la terraza del Hotel Sheraton y podemos observar la gran cantidad de ciudadanos que han dado cita en el frontis de este hotel, convocados por el llamado... Al Perú, on arrivait le jour des élections, avec el fraude, la fraude électorale de Fujimori, tout ça. Alors il y avait tout Lima dans la rue. Il y avait l'autre, l'opposant, la Toledo, qui faisait des grandes manifs, tout ça, depuis le Sheraton. Il nous a proposé d'aller au balcon, causer avec lui, tout ça, on a refusé. Parce que là, ça devenait justement politique. J'évite surtout de dire que je fais de la politique. C'est un mot qui me fait peur. Señor presidente, que no se piense que estemos de acuerdo con el fraude, sino que, por el contrario, rechazamos todo lo que pueda estar alterando la voluntad del pueblo. Pero es más importante que tengamos un país unido, pero en el que los gobernantes sean elegidos por la voluntad del pueblo. Recordemos que todavía queda la segunda vuelta. ¿Qué tanto sabes del Perú? ¿Qué tanto te has enterado del momento que vivimos? ¿Y qué te parecen estas elecciones extrañas, por llamarlas de alguna manera? Bueno, de llegar llevo un día y medio aquí, tampoco
puedo plantearme como ningún especialista sobre las elecciones, ¿no? Más que todo mucha confusión y ninguna realmente claridad sobre lo que está pasando realmente a nivel de los descuentos de los votos. Ayer vi una peli fabulosa en... bueno, una peli, era casi una peli, ¿no? De esos que pillaron en internet ahí. Bueno, no sé quién grabó eso, pero felicitaciones. Un gran momento de televisión. Periodistas de varios medios de comunicación descubrieron ayer una situación irregular en una cabina pública de internet que comprometería a personeros de la Alianza Perú 2000 con la posible manipulación de la base de datos de los resultados electorales. Je crois pas que ce soit une position politique que je veux prendre. Moi, je dis mon avis sur les choses. Celui qui veut, il les prend. Celui qui les veut pas, il les prend pas. Moi, je... ce que je veux surtout pas, c'est doctriner, dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Je pourrais pas me permettre en passant 15 jours au Mexique ou c'est pas moi qui vis là-bas les problèmes tous les jours. Pensamiento, ¿no? La política de Perú se decide más en Washington que en Lima. Les autres, c'est
pas que les musiciens qui peuvent faire, c'est tout le monde, là. C'est le boulanger, le musicien, le journaliste, le caméraman, le pilote de course, le chauffeur d'autobus. C'est plus une histoire de... C'est tout le monde qui doit s'y mettre. Et le musicien, bah, il doit être honnête avec lui-même. Déjà, c'est déjà pas mal. Llevaba dentro a dos panteras del África. Llevaba dentro a dos panteras del África. Llevaban en la mochila vino blanco y hierbabuena. Llevaban el corazón una máxima ilusión. ¿Cuándo será? ¿Cuándo será la primavera? ¿Cuándo será? ¿Cuándo será la primavera? ¿Cuándo será que volverá mi pantera? ¿Cuándo será que volverá mi pantera de la fruta? C'est dur de se foutre à poil devant les gens. Dans la Mano, j'étais jamais vraiment à poil, personnellement, comme Manu. J'étais dans un groupe, on présentait quelque chose. Jamais vraiment personne se met à poil. Quand tu es tout seul, tu te mets à poil. ¿Qué quiere lograr Manu Chao al final de su vida para poder morir tranquilo? No quiero morir. Yo que quiero morir sin darme cuenta. Y lo que habré logrado antes... Tener una linda familia, sana, tener mi cocina bien barrida y en el ámbito mío, que generar buena vibra, ahí está. Es lo que supongo que puedo hacer. Digamos que, evidentemente, me gustaría morir viendo un mundo mejor y todo eso, pero eso ya no depende solo de mí, depende de todo. ¡Próximas canciones! Là-bas de la ville, était même étonné souvent dans les concerts de voir tellement de gens mélangés qui n'ont pas l'habitude de se mélanger. Ça, c'était un des trucs classe des concerts, les gens étaient vachement étonnés de ça. Putain, il y avait ceux-là et ceux-là et ceux-là qui d'habitude, ils sont jamais ensemble. Et là, tout le monde était là et il y avait communion, il y avait... Tout le monde était ensemble bien, quoi.
arrancando las calles pacíficamente. Y si en algún momento habrá que reclamarla y lograrla por otra vía la vamos a conseguir también. On a joué 24 heures sur 24. Les concerts, on en a fait 13 sur un mois et demi, mais ça a joué tous les jours, tous les jours, tous les jours, jusqu'à 6 heures du matin dans tous les bars de la ville. Même quand je dormais, je suis avec le groupe, il était en train de jouer. S'il y a quelque chose qu'on a, je crois, dans ce groupe et dans ce qu'on véhicule, c'est qu'on fait tomber l'agressivité pas mal. Que ce soit en France, que ce soit en Amérique du Sud, partout, il y a quelque chose dans notre musique, je sais pas ce qui se passe, mais qui fait que les gens, ils se côtoient un peu mieux. C'est génial. Des versions, il y a déjà énormément de versions qui sont sorties. Clandestino en brésilien, en reggae, par un groupe de reggae brésilien, c'est terrible. Desaparecido en basque par un cantautor basque, guitare-voix en basque, c'est terrible aussi. Minha Galera qui était repris pas mal aussi. Et ça, c'est génial. Quand tu sens qu'il y a ça, je dirais que tu es un artisan content. T'es fier de ton boulot. Vous êtes bien mal embouché.
manquant à la pudeur, les plus élémentaires, dois-je pour les besoins la cause publicitaire, qui vulgaire avec qui et dans quelle position, je plonge dans le stupor et la fornication, si je publie des noms, combien de Pénélope passeront-ils d'ico pour des quelques salopes, combien de bons amis nous regardons de travers, combien je recevrai de coups de revolver, pompette de la renommée, vous êtes bien mal embouché. Après tout l'horizon, des mille et une recettes qui vous valent la crise. ¿No? En Achacachi. El militar no tiene que ser enemigo del pueblo, tiene que ser su amigo. Y en cambio, ellos son nuestros enemigos. Y nosotros los bolivianos estamos prácticamente desesperados de esta situación porque no hay quien realmente nos ayude, nos proteja. Si reclamamos, nos balean. La policía. Yo soy maestra y como maestra trabajo y nunca puedo tener el dinero suficiente porque es poquito lo que gano, no me alcanza. Y entonces, ¿cómo voy a enseñar bien si estoy mal alimentada? Mis alumnos, peor, están durmiendo. ¿Por qué? Por el hambre. Entonces, por favor, pido a la comunidad internacional de que estos dineros sean controlados, pero realmente
que no vaya al bolsillo de estos vivos que tienen sus cuentas en Suiza. Te sacan el dinero de Bolivia. A la avenida, vos por la avenida. Gracias. Permiso. Permiso. Gracias. Sangre guajira, carga explosiva. Por la avenida van viendo noche y día. Mala perdida, tu mala, mala perdida. Mala perdida, vos por la avenida. Mala perdida, tu mala, mala perdida. Mala perdida, vos por la avenida. Mala perdida, tu mala, mala perdida. Mala perdida, vos por la avenida. Mala perdida, tu mala, mala perdida. Mala perdida, vos por la avenida. Elle est flippante. C'est la décomposition totale d'un continent, quoi. C'est... Ce qui est flippant, c'est plus ça. C'est pas ce qui peut t'arriver toi sur le moment. C'est rien ce qui peut t'arriver sur le moment. C'est plus large. C'est une catastrophe. Ça barre en couille dans tous les côtés. C'est... Tu sens que le bateau, il est ivre. Y a plus personne qui tient les commandes. C'est la panique à bord. Le flippant, hein, je crois que c'est ça. La seule monnaie qui existe en Équateur actuellement, c'est le dollar. Il n'y a plus de monnaie équatorienne. Ça n'existe plus, ça a disparu de la carte. Maintenant, les Indiens, là-haut dans les communautés, ils sont avec un dollar. Ils ne savent pas trop ce que c'est. Mais ils sont avec ça. Personne n'en a parlé, ça, en Europe. Très peu. Nous, pour nous, c'est la nouvelle la plus grave qu'on a rencontrée en Amérique du Sud. C'est un acte d'impérialisme dur des États-Unis. Et en Europe, et on nous parle que du gosse cubain, le gosse cubain ou le procès Pinochet, et on adore tout le monde avec ces deux trucs. Qui sont des miroirs aux alouettes, un peu. Et puis derrière, on dollarise l'Équateur, on fait les gros coups bas et médiatiquement, personne n'en parle. Parte de una asociación que nació de Francia, pero ya se está propagando bastante, que se llama ATAC, y que propone pues, un impuesto ahí donde nunca lo hubo. Es un impuesto a nivel de las transacciones de bolsa. Si era un impuesto de 0,1% sobre las transacciones de bolsa en el mundo durante un año, se podría erradicar la gran pobreza mundial durante 2 años. Es decir, que soluciones hay. El general en jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en Náhuatl. Al pueblo de México,
a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche. En ella vivimos, moriremos en ella. Yo creo que el movimiento zapatista hasta hoy en día, y por eso lo sigo apoyando a muerte, es que son de los pocos que han conseguido durar sobre el tiempo sin caer en los problemitas esos habituales de que suelen matar a cualquier revolución, de ego o de siguen dignos en la lucha y llevan años con un discurso coherente. Lo último que es bonito también y que me parece grandioso es que esa protesta general que está saliendo, que sea, la notamos en, la hemos notado en México, en Ecuador igual, en Perú, ahora estamos llegando a Bolivia y están pasando cosas también. Es que esa protesta está llegando de partes muy diferentes y notamente del campo. Comme dans une course, on est dans une course entre la folie de tout ce qui se passe et la merde générale que c'est et l'horreur de tout ça, et je dirais un certain instinct de conservation. On en est arrivé au point tous dans notre coin, que ce soit en Patagonie ou ici ou à Bonn ou à Pékin, qu'on se rend compte que c'est, on commence à être touché à l'instinct de conservation. On se dit si ça continue comme ça, c'est bon pour personne, ça va être bon pour les gosses à personne. Son esas.
Moi, quand je retourne à Paris, je suis un peu inquiet. Hein. Je vois une sorte de sinistrose générale qui est un peu inquiétante et je dirais aussi une agressivité. C'est agresse le soir quand même, hein. Quand tu traînes tard, c'est... Il y a tout de suite là, t'as une cigarette. Et il y a toujours ce plan, faut toujours être un peu sur ses gardes, quoi. Ce qui... Ailleurs aussi, évidemment, mais pas de la même manière. Il n'y a pas cette agressivité gratuite. Et qui vient de l'ennui, je dirais même, plus que d'autres choses. C'est presque l'ennui qui rend agressif. Ce qui manque, et c'est politique, je dirais, ça manque de fêtes. Ça manque de vraies fêtes. Les gens, ils manquent de pouvoir se vider de toute la merde. Et en Europe, on nous permet plus ça. On nous le permet en discothèque, on nous le permet dans des trucs hyper canalisés, ou dans des fêtes hyper canalisées où il n'y a plus... Ce qu'il y avait toujours besoin, les hommes, on a tous besoin de ça, des moments de se lâcher, de lâcher toute la merde qu'on a dedans, de lâcher tout... de se lâcher grave, quoi. Ce qui permet de réguler les tensions, je dirais. Mais en Europe, on n'a plus ça. Et c'est ça qui fait que les gens, ils sont comme ça, quoi, je crois. Hein. En France, c'est clair. Où c'est qu'il y a des fêtes en France? Des vraies. Où tout le monde peut se mettre. Déchire, pochetron, on s'en fout du candidaton et des... Ça n'existe plus. Les seuls endroits d'Europe où ça existe encore, c'est dans le nord de l'Espagne. Où il y a encore ces fêtes qui sont saines. Pays Basque, Asturies, Galice, de Pampelune à Finistère. Il y a pas tant. Casse-burne, hein, c'est bien dans une société que je crois casse-burne. Les fouteurs de merde, c'est important. Un disque comme un petit tranche de vie, quoi. C'est dur quand ça s'arrête. Quand tu vis, tu t'arrêtes pour dormir, mais même quand tu dors, tu continues à faire le con, hein. J'utilise plein de choses qui sont dans l'air. Les gens, ils s'y retrouvent là-dedans parce que c'est...
Ça appartient pas qu'à moi, ça appartient à tout le monde. C'est devant le nez à tout le monde. Après la chanson, tu la signes. C'est les droits d'auteur, c'est pour moi. Hey, wait, show. Iba en un dragster. Iba en un dragster, wait. Iba en un dragster. Iba en un dragster, wait. Iba en un dragster. Le pire ennemi qui te met dans les pattes, le système, ou les boîtes de disques, ou le commerce de la musique, le pire ennemi qui te met dans les pattes et qui est grisant, c'est la vitesse. C'est-à-dire qu'ils veulent tout faire vite, ils te proposent plein de choses, tout est intéressant, alors tu dis oui à tout, et tu te retrouves à faire 10 000 trucs où tu fais rien, parce que tu vois rien, t'as pas le temps, tout va trop vite. Et ça, les boîtes de disques, le business, tout ça, ils aiment bien te mettre dans cette vitesse-là, où tu perds les pédales. T'es beaucoup plus manipulable après. Beaucoup plus manipulable. Moi je suis chez Virgin. C'est une boîte de disques avec ses avantages, ses inconvénients. Il y a dans Virgin des gens humainement à qui je travaille très très bien. D'ici à peu, je me sens obligé de faire de la musique indépendante. Parce que si des gens comme moi, on commence pas à faire de la musique indépendante, qui c'est qui va pouvoir la faire? Moi, j'ai les moyens de la faire. Donc je dirais que c'est même un acte politique. Si quelqu'un comme moi, il se retire pas des multinationales, qui c'est qui va se retirer? Et c'est quelque chose que j'ai vraiment en tête et que c'est l'aboutissement de tout ce qu'on est en train de faire maintenant. À un moment, on veut se sentir assez fort pour produire nos choses nous-mêmes et sortir du circuit. On est en train d'évaluer si c'est trop tôt ou pas assez tôt. Il faut qu'on se sente fort, nous, qu'on se sente capable de le faire et de le faire bien. Pour le moment, je dirais que c'est encore un petit peu tôt. C'est une équipe qui est en train de se monter doucement et à son rythme. Il ne faut pas forcer le rythme. J'attends le moment, mais c'est un aboutissement important pour moi. Internet, l'ordinateur, tout le merdier là. Là, il y a un réseau de distribution qui est en train de se monter qui est imparable. Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris. Dakar, Bamako, Rio de Janeiro. Où est le problème? Où est la frontière? Entre les murs, se faufiler dans l'ascenseur. Ascenseur pour le ghetto. Au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris. Maintenant, toujours, c'est chercher le contraire de ce qu'il y a. Et je suis content d'avoir appris ça. Il y a beaucoup même d'Africains, tu vois, des vieux Africains qui m'ont dit « t'as raison, c'est ça, c'est exactement ça ». T'arrives dans un studio où il y a un groupe, tu connais pas, mais t'écoutes la musique, s'ils vont très vite, où ils font un truc hyper rythmé, racatacat, toi avec ton instrument, tu vas venir faire la course, tu vas chercher quelque chose de lent, tu vas chercher le contraire. Pas pour leur pourrir leur truc, pour l'enrichir. S'ils vont trop vite, faut les plomber un peu. Si tu vois un groupe qui fait un morceau un peu lent, là c'est le contraire, tu vas chercher la vitesse dedans. Pour leur donner un peu de... Toujours chercher le contraire de ce qu'il y a. C'est comme ça que je travaille. Le contraire de Babylone. Le contraire de Babylone, c'est...
C'est ma copine. Voilà, je peux rien à dire.